a pu travailler donc avec la compagnie Res Non Verba et 4 classes du territoire. Une classe de Sermaize, une classe d'Étriché et 2 classes de Durtal. Et donc ces différentes classes ont suivi donc des ateliers, des parcours d'éducation artistique et culturelle. Ce sont des ateliers menés par des artistes, des compagnies. Les artistes vont en classe en fait proposer des ateliers selon différentes disciplines. Et ensuite, ces ateliers mènent à un temps de restitution. Les interventions qu'il y a pu y avoir dans les classes leur ont permis de pratiquer la danse, la musique, l'art plastique, enfin tous les domaines. Et c'est ça qui est dans ce type de parcours, et surtout celui de cette année, on sent vraiment cette richesse de ce type de projet qui est vraiment absolument phénoménal pour des élèves, là, des élèves de CP, de CE1, enfin voilà, ils sont en extase, ils rencontrent des gens, des artistes que jamais ils pourraient voir. Donc c'est vrai que c'est absolument fabuleux, je pense, pour eux, quoi. J'ai deux trucs que j'ai bien aimés. Il y a le premier, quand les enfants, les autres enfants, ils nous ont montré leur masque et tout, ils ont fait une danse. Et quand on a regardé le spectacle qu'il y a là-bas. C'était la première fois qu'on est allé regarder un spectacle, du coup, on avait un peu... On a déjà regardé quand même. Oui, mais au cinéma, quoi, un spectacle comme ça. Moi, j'ai bien aimé ce matin, déjà, comme je vous l'ai dit, quand les enfants, ils ont dansé. Et je trouve qu'ils ont fait un travail vraiment impressionnant, parce que c'était super bien. Moi, j'ai adoré la danse avec les doigts, les mains. J'ai adoré le bruit de l'eau avec l'enceinte derrière. Ils ont entendu rire, enfin réagir, etc. Donc on sentait bien que voilà, ils étaient dedans et que vraiment ils étaient dans la découverte. Après, quand ils ont posé les questions, ils étaient curieux de savoir voilà comment un petit peu l'envers du décor, si je puis dire. Et donc ça, c'était vraiment magnifique. Et, par exemple, ce matin, lors de la restitution, là, quand on a vu la danse, quand on a vu le défilé de masques, de costumes, là c'est pareil, on sentait qu'ils étaient dedans, qu'ils avaient envie. Encore une fois, quand je suis allée dans les classes pour voir un petit peu, ils étaient vraiment investis, enfin ils se sont investis, comme disaient les collègues tout à l'heure, investis dès le départ. Et voilà, et ils ont fait un travail phénoménal pour arriver à ça en si peu de temps. Parce qu'à chaque fois, il y a dû y avoir 4 ou 5 séances, pas plus. Et donc, je trouve que c'est, voilà, pour des petits bouts comme ça, de cet âge-là, c'est, voilà, c'est super.